baba. Eh ouais. Oh, mais tout à fait. Mais oui, mais de toute façon, tu ne vends pas à moins de 12%. Hein. On est, là, on est sur des budgets de 10 millions. Donc, attends, bouge pas. Eh, je suis au téléphone, là. Hein. Eh ben, tu fermes ta gueule. Voilà. Tu fermes ta gueule ou je te défonce. Voilà, tu peux retourner sur le toboggan. Allô? Ouais. Mais non, mais je suis au parc, là. Grève de la crèche. Hein. Je suis obligé de garder... Sylvain, voilà. Sylvain, non, mais ça va, je me suis trouvé un bon peinard, on va pouvoir bosser tranquille. Va jouer, donc, vas-y. Papa te regarde, vas-y. Oui, mon amour. Hop, vas-y, crame. Voilà, c'est bien, mon chéri. Très, très bien. Ouais, super, bonjour. Bonjour. Entre papa, on se fait la bise, hein. Ouais. Parce qu'on est des papounets, ouais. On est des petits papounets, des papous, papounets. On est des papas. Bon, je te laisse, je suis sur avec un loup. Ah là 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 là. Et cette grève de la crèche, c'est du pain béni. On va être avec nos petits bouts de choux, là, génial. Mm. Oh, regardez ce qu'il a fait. Regardez. Oh, c'est bien, mon amour, bravo. Regarde, vous avez vu ce qu'il a fait? Il vient de tomber du cheval comme une merde, là. Eh, ça hier, il le faisait pas. Hein. Ouais, bravo, mon amour. Bravo. Là, c'est bien, mon amour. Regarde, tout le monde t'applaudit. Là, c'est bien. Ah, oh, là. Regardez, hop, il est déjà reparti. Et puis il y a une pêche. Tain, je sais pas de qui ça lui vient, mais alors... J'ai une petite idée. Et vous, le vôtre, il est où? J'en ai deux, moi. Deux. 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 Il en a deux, monsieur. C'est bien. C'est un bon papounet. Ouais, ça va. J'en ai un sur fond d'écran, là. Ah oui. Pour qu'il soit toujours avec vous. Non, pour le reconnaître. Attendez, bougez pas. Attendez, tiens, fais comme ça. Ouais, c'est lui, là. Là, vous voyez, le petit, là. Oui, c'est lui, là. Là. Bah, faut les aimer quand même, hein. Faut les aimer quand même. Et l'autre? Ouais. C'est la même photo, hein. Ben oui, c'est des jumeaux. Je veux pas bouffer de la mémoire sur mon téléphone pour deux gosses qui ont la même gueule. Et il s'appelle comment? Sylvain. Et l'autre? Sylvain. Ouais, comme ça, s'il y en a un qui meurt, on sait pas lequel c'est moins douloureux. C'est pas con, hein. Ouais, c'est pas con, hein. Et il est où, l'autre, alors, là? Ah ben non, l'autre, je suis con, je l'ai perdu. Quoi? Ouais. Ça fait combien de temps? Il y a 2 minutes, ça faisait 2 heures, j'avais arrêté de le chercher, donc là, je sais pas du tout... C'est pas... Sylvain! Sylvain! Non, mais ça va, paniquez pas. La dernière fois que je l'ai vu, il discutait avec un monsieur, ça va? Ça vous fait pas flipper, ça? Mais non, je le croise tous les jours à la sortie de l'école. Il a des bonbons, des gâteaux au chocolat. Oui, ça doit être quelqu'un qui aime les enfants, ça, bah, c'est sûr. Ouais. Vous voulez voir une photo du mien? Non, merci. Si, regardez, allez. Ça va. Voilà. Ça, c'est le mien à la plage. Ouais. Non, mais ça va. Ça c'est lui à la montagne. C'est bon, monsieur, la montagne. Merci. Ça va, là, ça devant va, la tour Eiffel. C'est bon. Ça, c'est lui au stade de France, comme je suis stadier. Vous êtes stadier au stade de France? Oui. Vous pouvez avoir des matchs pour la finale, samedi, là? Des matchs pour la finale? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais, des vous êtes places. Sûr d'être même des places. Ah oui? Des matchs. Comment? Je sais pas, faites soit des matchs, soit des places. Vous êtes en fait là pour voir, comme ça? C'est bien, ça. Vous êtes stadier au Stade de France? Oui. Vous pouvez avoir des tickets pour la... Non, on va leur faire encore une fois, parce que... Non, mais... Ça, oui. C'est lié au Stade de France, comme je suis stadier, vous voyez. Vous êtes stadier au Stade de France? Ah oui. Ah ouais? Vous pouvez avoir des places pour la finale, samedi? Bien sûr. Tiens, regardez. Ouais. On va la refaire parce que les éclos, ça foire la chute, en fait. Hein. Tiens, allez, ça c'est lui au Stade de France, comme stadier au Stade de France, c'est pour ça. Vous êtes stadier au Stade de France? Ah oui, monsieur. Vous êtes stadier au Stade de France? Ouais. Vous pouvez avoir des places pour la finale bien de sûr, samedi? Je peux avoir des places, bien elles sûr. Sont belles, ces photos, montrez-moi ça. Belles, regardez. Allez. Et ça, c'est mon petit dernier, ça. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ah oui, carrément, oui, donc votre femme, elle est... Bretonne. Ouais. Mais elle va arriver, je vais vous la présenter, elle arrive de son cours de danse africaine, là, ça fait 2 ans qu'elle y va, 6 jours par semaine, je peux vous dire que... Ouais, elle doit bien danser, ouais. Pas vraiment, non. Pas vraiment, d'accord. Non. Il y a comme... Ouais, on a beau regarder... Hein? Eh ouais, ça monte, hein. Mais je sais, tout le monde me le dit, je vois, là, je vois. Bah ouais, mais c'est pas grave, hein, ça va. Ça va, il y a du monde qui nous regarde, c'est bon, ça va. Bon, je suis pas pédé, madame, ça va, c'est pas grave. On tombe tous sur des salopes, ça arrive. Mais non, mais c'est pas sa faute, c'est moi qui suis myope, c'est pour ça qu'il a des lunettes.
Il est noir. Hein. Il est noir. Hein. Oh putain, j'avais pas vu. La myopie, ça pardonne pas. Hein. Oh, j'ai tout donné à ce gosse. Des fautes données à sa mère. Alors, je suis une merde. Oui, il en faut. C'est pas grave. Alors, ça va. Mais je vais tout quitter. Je vais me barrer au bout du monde. Je vais quitter mon boulot. Je vais quitter ma femme. Ah ouais, c'est foutu quoi. Ah c'est foutu. Ouais. Non, pour les places, samedi, je veux dire, c'est foutu du coup. Non, attendez, monsieur, partez pas, monsieur. Monsieur, vous avez pas l'impression d'oublier quelque chose, là? Monsieur, mon téléphone, monsieur. Oh, il se barre sans... La mule Lesgade. Et Florent Père. La mule, Florent. Oui. Ça fait quoi de descendre pour la dernière fois sur la scène d'On ne demande qu'à en rire, scène qui vous a révélé au grand public? Merci de nous avoir donné l'occasion de bosser tant que ça, quoi. Ouais. Et de nous faire progresser, surtout. Nous faire progresser. Et d'exposer notre travail. Enfin, voilà, ça a changé nos vies, nos carrières. Donc, moi, je l'ai déjà dit dans une émission précédente, mais je le redis. Un grand merci. Je ne l'ai pas dit. Merci à Laurent Ruquier d'avoir créé ce concept avec Catherine. Catherine de l'avoir produit et toute l'équipe, voilà, de nous avoir... supporté et soutenu pendant 3-4 ans et voilà, nous avoir fait progresser. Merci. Et il faut bosser sur un nouveau concept maintenant. On attend, mesdames. Enfin, des mecs comme ça qui n'aiment pas les enfants, je pourrais avoir des regrets. Hein. Ouais, c'est bien. Moi, j'en ai deux, c'est vous dire si c'est. Alors là, ils sont un peu hard, hein, ces deux mecs-là. Grégoire. Oh bah c'était une belle complicité entre les deux, en tout cas. Moi, je connaissais moins Florent. C'est vrai que on s'est découvert dans l'émission. Lamine, je l'avais vu déjà sur scène. Et je me réjouis d'aller voir Florent bientôt, puisque il a la chance de jouer encore au mois de juillet. Donc, on aura le temps d'aller. Grégoire, je me souviens plus. Où est-ce que c'est que vous allez venir voir mon spectacle? À l'Européen. Ah oui, à l'Européen. Ah non, mais je ne me souviens plus. Ouais, c'est toujours là, j'espère. De toute façon, il y a tout le mois de juillet. Donc, on attend de se caler. Marie-Pascal. C'est un plaisir de les voir tous les deux s'amuser. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux personnages que vous avez créés, qui en plus font penser à votre tempérament et on sent que vous êtes à l'aise dedans. Enfin, c'était vraiment très, très agréable de voir votre complicité. Et dans la vie, on se déteste. Ça se voit. Mais ça se voit, comme dit Catherine. Laurent Thibault. J'ai un petit peu comme Grégoire. Enfin, j'ai vu Florent il n'y a pas longtemps sur scène et c'est vrai que là, c'est une grande découverte. Et je n'ai pas encore vu Lamine, mais je vais venir te voir. En juillet. Voilà, pas de soucis, je serai là. Je suis là au mois de juillet, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que. Mais Florent, il a du mal. Hein, l'énergie, il a du mal à se calmer. Il ne peut pas y arriver. C'est plus fort que lui. Et Lamine, là, il était très calme. Donc, mais c'est vrai, c'est toujours agréable de voir des duos qui se forment. Et bravo, quoi. Voilà, j'ai pris du plaisir. Bravo, les gars. Il a quand même sa télécommande en main, Laurent, parce que ça lui manque. Voilà, j'ai pris le plaisir, mais je vous ai mis un 13 pour être logique. Stéphanie. Je trouve ça très triste que cette émission s'arrête, parce que quand on voit des solos qui sont formidables, et puis tout d'un coup des duos comme ce que je viens de voir là, qui étaient vraiment parfaits, que j'ai trouvé vraiment formidable, avec une vraie écoute, une vraie générosité, avec des gens qui s'amusent, ils s'amusaient tous les deux, et de se dire que ça s'arrête comme ça, je trouve ça vraiment, c'est nul, quoi. Mais en tout cas, bravo à vous. Ouais. Hasta siempre, révolution. Merci les garçons, Merci à vous pour tout ce que vous avez apporté, merci beaucoup. Dès qu'on ne demande qu'à en rire, retrouvez vos humoristes préférés, les sketchs cultes et les nouveaux, les vidéos exclusives, les coulisses, alors abonnez-vous.